07 ans de grâce, 2020, un virus appelé Covid-19 perturbe les habitudes de la planète. Les passionnés devront attendre septembre pour se délecter de leur compétition favorite, le Tour de France. En attendant, pour les faire patienter, j'ai repris les images de 2017. À Clermont-Mystère. Fois que le Tour de France passe en région liégeoise, l'histoire d'amour entre le Tour et la province avait débuté en 1948 et l'étape Metz-Liège. 1969, c'est l'année où Eddy Merckx remporte son premier Tour de France. La deuxième étape part de chez lui à Woluwe, direction Maastricht, en passant par la province de Liège. Sur place, on ne sait pas profiter des superbes vues aériennes prises par les hélicos tout au long du circuit. Restez toujours sur le bas côté et bien vos enfants. J'ai surtout apprécié l'imagination des publicistes participant à la caravane. Ne pas oublier que c'est une course cycliste quand même. Meilleur respect absolu des champions. Bonjour à tous et bienvenue sur le Tour de France en cette deuxième étape. Century 21 vous fait gagner une merveilleuse maison. Rendez-vous sur Century 21 pour peut-être. Là où je quitte. Ça c'est Michael. Ne pas oublier que c'est une course cycliste, quand même. Hey, salut les gars! Oui, bon, on le fait. Fabriqué en France aux œufs de poule de plein air. Bienvenue chez Saint-Michel. Ne pas oublier que c'est une course cycliste. Oui, oui, on le sait. 1989 du Tour en Belgique sans la toujours précieuse collaboration de Yves Vanache, désormais jeune retraité, mais qu'on sait. Au moment de se laisser glisser derrière et d'attaquer, il va mettre des relais. Voilà les buts.
Alors allez-y, soutenez. Annoncé, la descente était dangereuse, mais du fait que la descente était dangereuse, et tous les coureurs le savent forcément, bah, le danger se trouve surtout à l'avant de, avant d'entamer cette descente. Tout le monde veut être bien placé. On tombe à 25 secondes. Allez, messieurs, allez, allez, allez! On sous-entend qu'il pouvait évidemment pas gagner hier dans le chrono. Un départ chez lui en Allemagne. On va s'aimer. Ouais, on fait rougir le 12 dents là. Cette année, l'officiel du Tour de France. Mais... Pour info, avec Patrick Lefebvre, c'est la 29e victoire depuis qu'est arrivée l'équipe Mapei à l'époque. 29e victoire. A marqué certainement les muscles, et les visages également. Mais... La pluie s'étant invitée, c'est sur la une que j'ai piqué quelques séquences du peloton. Comme le disait Kittel, relativement peinard, mais là maintenant, champion de Belgique. Voilà. Et qui est en queue de peloton, enfin, on vous dit ciao, en se disant qu'après tout, et c'est vrai, la pression. Et l'année dernière, il gagne la deuxième étape. Ça, ce serait super intéressant. Alors, on va regarder donc ici. Surtout qu'en plus, il a le maillot de champion d'Italie. Ouais, c'est pour ça qu'il est repéré. Mais. On a Patrick Lefebvre à l'Italie. Allons-y. Et le bonheur de Marcel Kittel. Il n'a pas gagné en Allemagne. Mais ça partait de Düsseldorf. Et regardez l'émotion. Et voilà le bonheur. Et nous accueillons. Partagé. On est tous d'accord. Et surtout, et si Kittel est emmené comme ça, il va être difficile à battre pour venir. Oui, Kittel est en forme, on le voit. Alors on continue. La chaise volante reste sur la route, donc ou les enfants même. Donc, on a eu un beau sprint. On verra bien. Bon, allez, bon, vous. D'un coureur, en particulier son équipier. C'est vrai que Trentin et Sabatini étaient dans les derniers mètres, mais c'est Vermoot. Alors on l'écoute à notre micro. Ah, c'est Verbier.